voilà, d'avoir, de faire ressortir le côté vineux du champagne que vous aimez beaucoup. Alors ce sera complémentaire, c'est-à-dire que là vous l'avez sur l'apéritif avec un peu acidulé mordant de l'ouverture, ça va monter en température, ça va chauffer, ça va effeuiller la bulle et là vraiment le fond du terroir et du vin va ressortir exactement. Et normalement ça devrait être parfait avec l'oreille de la Belle Aurore. Pour vous souhaiter la bienvenue, cette friture de gardon accompagnée d'un condiment à la moutarde d'Orléans et à l'ail des ours, ainsi que cette feuille de consou de gaufret et son gel à grumin. Madame, monsieur, on débute le déjeuner avec ces quelques mises en bouche, en commençant sur la droite, avec cette tartelette de tarama de brochet de Loire et son voile de pomelo. Ensuite, à gauche, on retrouve un travail autour de la lentille de Beauce, accompagné d'un confit d'oignon, et on finit en haut avec le brocoli du jardin et un jus vert que je vous ai ajouté. Bonne dégustation. Hein. Mesdames, messieurs, pour accompagner votre déjeuner, on retrouve d'une part ce pain en graines de lin et d'autre part ces deux beurres. L'un est de micelle et l'autre est au caviar de Sologne. Et je vous ai également versé cette huile de colza, qui est purifié et spécialement élaboré pour le restaurant en souvenir des racines familiales fermières du chef. Allez, débutons ici ce repas avec l'oreiller de la Belle Aurore, un montage emblématique autour des gibiers. Bien sûr, ici on s'est concentré donc sur les trois plumes. Poule faisane, perdrix, col vert. On l'accompagne avec cette farce autour du veau et du riz de veau. Les cuisses de ces gibiers, on ne les oublie pas, elles sont confites. Et on a un sabayon beurre noisette, éteint au citron. C'est ce qui apportera toute l'onctuosité et la gourmandise. On le laisse au poésiteur retourner. Bonne dégustation. Ça, c'est petit cadeau pour vous. Vous allez voir, c'est très intéressant en plus. C'est un sabayon, c'est un curry. Oui. Tu sais, on a toujours tendance à mettre des jus avec les préparations comme les pâtes croûtes ou les choses comme ça. Et c'est vrai qu'un sabayon, ça apporte encore de la gourmandise et une friction léger, c'est ça. Ouais. C'est léger. J'ai jamais mangé un sabayon à ce niveau. C'est parfait. C'est parfait. On reste comme ça. Ouais. On va finir ces deux-là, tu vas faire d'ailleurs le cresson et un autre. C'est trop beau, Julien. Allez, on poursuit ici avec les champignons des caves de Noître. Noître, on est au sud de Tours, près de Sainte-Maure. D'accord. Trois champignons différents, donc on a le panicot, on a la crête de coq et on a également la foliotte. Ils sont posés donc sur une moue de champignons hein, qu'on a légèrement gélifié. Et on retrouvera également la tome de Beauce qui est produite près d'Arroux par Anthony Moulin avec un affinage en cave pendant 6 mois. Rare tome produite à base de lait de vache. Hein. Et on va finir donc avec ce jus de cresson alénois, le cresson alénois hein, qui est une variété de cresson d'hiver qu'on a au jardin. On va avoir justement ces notes un peu poivrées avec la fraîcheur du végétal. Allez, profitez bien. Merci. On va s'occuper d'elle. Comme là, en plus, on a une température qui est un tout petit peu fraîche. Comme ça, éventuellement. Il est bien quand on a
Oui, ben c'est parfait. Comme ça, on va le mettre en température, ça va remonter quelques degrés dans la carafe. On va les tenir, justement, maintenir la température dans la cape du jour. Et comme ça, on l'aura vraiment comme vous l'aimez. Donc là, voilà. Exactement. Pourquoi c'est pour toi? Est-ce que je mets un verre à votre mari? Je mets un verre à la mère. Je mets un verre à votre mari pour la fin. Vous êtes seul à goûter? Super. Continuer ce repas, le mouflon du domaine de Chambord. Là, on est sur un gibier qui a été introduit dans les années 50 dans Chambord pour être protégé. 20 ans après, ils vont pour le relâcher dans la nature. Ils se rendent compte qu'ils pèsent plutôt bien dans le domaine. Ils en laissent, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on puisse en profiter au restaurant. Donc, on trouve le carré et la selle qu'on travaille rôti. On a le collier qu'on confit. Ce travail autour de la sucrine du Berry, c'est une variété de course de la région. L'érythium du hêtre, ce champignon un peu chevelu qui pousse dans la souche du hêtre. Et pour terminer, ce jus de mouflon au basilic arbuté. Bonne dégustation. Allez, retrouvons ici pour continuer ce repas le lièvre à la royale. Cette préparation emblématique autour du lièvre, donc une des plus anciennes recettes autour du gibier. Dans cette première assiette, on le retrouve façon Antonin Carême, c'est-à-dire désossé entièrement, farci, avec notamment cette farce fine à la truffe et à la livèche, farce fine de lièvre. Il est cuit au-delà de 18 heures, donc confit. On reprend cette sauce liée au sang et montée au beurre de foie gras pour le napper. Sur le côté, on a les cuisses du gibier, donc cuit en effiloché façon sénateur couteau. Donc on retrouve avec les tomates vertes et la châtaigne. Toujours la sauce, et pour terminer, on a ce consommé de gibier vermicelle à la farine de châtaigne, billes de légumes, truffes et foie gras. On retrouve la livèche qui apportera une nouvelle fois à la fraîche. Bonne dégustation. Alors là, on va retrouver pour poursuivre le repas le plat dessert travaillé autour de la courge. Alors, sucrine du Berry qui nous vient de la région, qu'on va travailler avec le citron calamandin, variété d'agrumes de la collection du chef. Ce côté un peu sur la mandarine qui va apporter un côté un peu délicat. Et puis on va l'accompagner d'une crème glacée travaillée à l'huile de pépins de courge et également de l'huile de colza torréfiée qu'on a eu tout au long du repas. On va vraiment chercher cette note très délicate en fin de bouche, finalement pour accompagner le plat dessert. Et puis on a les graines de courge aussi qu'on va récupérer et puis qu'on va torréfier pour apporter un peu de croustillant. On va dresser ça tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que la purée de courge, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison. Les courges, on va les confire, on va les sucrer au four. Alors, sucrine du Berry, ça ressemble à la butternut. On a une couleur qui est un peu plus rouge, un peu plus prononcée. Les notes, c'est un peu moins sur la noisette, mais c'est sucré vraiment naturellement. Donc, c'est très appréciable au niveau de la pâtisserie. Et puis, on la récupère aussi, on va la travailler voilà, sous forme d'une petite brunoise, apporter un peu de mâche au pré-dessert. Et puis le citron calamandin qu'on est venu confier. Alors le chef, on a toujours de beaux chaque année, voilà, on le taille délicatement. Et puis ça va vraiment relever finalement ce pré-dessert. Moi j'aime bien la courge. C'est vrai qu'on travaille souvent maintenant les butternuts. Oui, c'est un peu plus sucré. Tout à fait. Et ça convient très bien au dessert. Et voilà les graines de courge qu'on arrive à récupérer. Donc là, on va juste les sucrer légèrement, un peu les masser pour apporter ce côté croustillant. Apporter un peu de texture au dessert. Et puis
puis pour avoir une note un peu plus subtile et délicate finalement, on a le jus de courge qu'on va saisonner avec le sirop de confisage du citron calamandin, ce qui fait qu'on apporte vraiment de la finesse et puis ça nous permet de finir d'assaisonner. Je pense que tu vas pouvoir aller à 16 aussi. J'ai regardé, ils n'ont pas les couverts. Mais... Là on a fait nos petites chips aussi de courge. Purée de courge qu'on va dessécher pendant toute une nuit finalement au four, 40-50 degrés, ce qui fait qu'on va porter juste un petit croustillant supplémentaire. Ça nous permet de... C'est pas permet... déshydrateur. Alors non, parce que le déshydrateur n'est pas assez important. On passe quand même de belles quantités chaque jour, donc finalement on va utiliser le four, ce qui fait qu'on peut remplir le four. Et le lendemain, on vient les décaler et puis on vient les mettre légèrement en gouttière pour ce côté un peu galbé. Pour aller savourer la courge pour voilà. Se mettre en appétit. Donc là, nous poursuivons le repas avec le plat dessert, celui-ci travaillé autour de la courge, sucrine du Berry, que vous retrouvez sous forme d'un crémeux et puis légèrement confite. Elle est accompagnée, assaisonnée du citron calamandin, agrume qui devient de la collection du chef pour une note un peu plus délicate. Sur le dessus, une crème glacée à l'huile de pépins de courge et l'huile de colza torréfiée. On va chercher vraiment, la finesse du produit en fin de bouche pour finir d'accompagner et puis d'équilibrer ce plat dessert. Ok. Je souhaite une bonne dégustation. Merci. Avec plaisir. Le dessert, on l'a préparé pour qu'il soit à température. Quand c'est à température, c'est meilleur. Le dessert au chocolat, alors chocolat Ilanka, qui nous vient du Pérou, suite d'un voyage du chef. Et puis on avait baies de goji, alors vous l'avez retrouvé sous forme d'une marmelade. Et puis on est venu les réhydrater, on a vu dans le jardin il y a 3 semaines. Pour la surfraîche, on a un amertume qui est un peu prononcé, donc il va être très bien justement avec les blancs en sauce, les rois à la royale, ou des choses comme ça. Et là, quand elles sont déshydratées, finalement, on a une très légère acidité, ce qui fait que ça reste appréciable. Pour accompagner le chocolat, où on a finalement la même caractéristique, vu son origine. Et puis on retravaille à côté une légère tuile, que l'on retrouvera dans la deuxième proposition. Dans la deuxième proposition, on va avoir une crème glacée travaillée avec l'herbe à curry. Alors beaucoup de gens la connaissent sous le nom d'immortel. On va y chercher finalement, on en voit beaucoup dans le sud de la France et en Corse. On va chercher finalement l'arôme un peu plus végétal, avec cette note de curry qui est très subtile, ce qui fait qu'on apporte un peu de fraîcheur au plat dessert. Et puis on termine avec une sauce au chocolat. Alors là, une sauce vraiment à l'état brut. On a pris les fèves de cacao qu'on est venu torréfier une nouvelle fois. On a la même fève de cacao au niveau de l'issue que le chocolat qu'on travaille. Et là, on va vraiment chercher du caractère pour accompagner le dessert et retrouver quelque chose voilà, qui est, pour les amateurs de chocolat, très appréciable. Alors là, on va terminer avec le dessert travaillé autour du chocolat Ilanka, celui-ci que nous accompagnons de la baie de goji, qu'on accueille dans le jardin chaque année. On va les retrouver réhydratés, présents sous forme d'une marmelade pour apporter de la matière en bouche. Le chocolat qui est originaire du Pérou sera décliné dans la deuxième composition avec une tuile au bourré de cacao. En dessous, cette crème glacée infusée de l'herbe à curry, plus connue sous le nom d'immortel. On va chercher la fraîcheur et puis une autre végétale. Nous terminons l'assaisonnement avec une sauce au chocolat, peut-être avec des fèves de cacao. C'est la même origine et aussi une nouvelle fois de réflexion pour apporter du caractère sur le dessert. S'il vous plaît. Soit une belle dégustation. Merci. On termine sur ces mignardises en commençant sur votre gauche, avec un travail autour du panier du jardin et de l'ortie. Ensuite, à droite, on retrouve cette tartelette au citron. On termine en haut avec le travail autour du pain, du beurre et du miel. Donc là, c'est un souvenir d'enfance du chef qu'il a voulu vous retransmettre de sa grand-mère qui lui faisait des tartines de pain beurre. Et on a ces 3 chocolats au centre de la table, avec ce chocolat blanc avec un caramel au citron, le chocolat au lait praliné au lin et poivre de Sichuan, et le chocolat noir avec une ganache au mélilo et au cassis. Bonne fin de repas.